Le temps qu'on sécurise dans la chambre froide le colis précieux. Est-ce que je peux dire quelque chose? Oui. Tu viens de dire qui suis-je? Pierre me regarde puis fait. Je lui dis oui, ça a changé. Il y a des choses qui ont changé. Ah Pierre, bon, il savait pas. Il y a des D'accord. nouvelles épreuves. D'accord, on n'est pas prévenu. Hein. Très bien, on va tester le buzzer. Denis, c'est pas palabre. Hein. Ok. C'est pas sur le buzzer que tu vas te venger. T'inquiète, tu peux te venger. Ok. Elle a son tonique, c'est suffisant. Très bien. Ce qui va se passer, c'est qu'on va afficher des photos de gens célèbres. Il faudra actionner le buzzer si vous pensez déterminer la bonne réponse et donner le nom de celui qui s'affiche à l'écran. Il faut être très actif quand on appuie le buzzer. Et Denis, c'est là qu'on t'attend, surtout. Première image, de qui s'agit-il? Trois secondes pour répondre. Allez, c'est l'acier. Deuxième image de ce qui suis-je dans cette télé d'ici Port du Week-end spéciale famille. Desmond Tutu. Héros de la lutte anti-apartheid en Afrique du Sud et qui nous a quittés il y a quelques mois. Cette troisième image qui arrive est plutôt accessible. De qui s'agit-il? Mère Teresa. Mère Teresa. Je ne sais pas alors. Ce qui arrive, je ne sais pas si c'est évident, on va voir. De qui s'agit-il? Ah là 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 là. Qui es-tu? Ça, c'est qui? Où are you? Je ne sais pas. Ed Dosé. Il est présenté comme le père de la microfinance. Prix Nobel de la paix 2006. Le père de la microfinance. Non, c'est vous ne l'avez pas? Ah non. Il fallait dire Mohamed Younous. Okay, ah non. Mohamed Younous, mais ok. Ouais. Non, mais pas le visage. Je suis étonné. Yako. De qui s'agit-il sur cette image? Martin Luther King. Est-ce que vous seriez à même de me dire, du côté des Yowrays et des Approves, j'ai l'impression qui est sur cette... Buzzer, là, s'est activé en... qui est sur cette image? Touré. Tamori Touré. Alors, je rappelle au public dans le dos qu'on ne souffle pas. Hey, ils n'ont pas soufflé. Oui, je sais, je sais. On ne souffle pas. Vous constituez les jokers. Quand on donnera le go, ils pourront recourir à vous. Pour rappel. Pardon? Bon, on y va. C'est pas je rappelle grave. Le score. 5 pour l'instant pour les Akros. Et pour l'instant, rien du côté des Niaoré. Merci. De qui s'agit-il sur cette image? Albert Einstein. Il a la main. Non, 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 non. Non, mais t'as raison, t'inquiète pas. Mais j'ai l'impression que c'est un poulet, c'est bien. Tiens, tiens, tu veux changer le buzzer? Ah, c'est bien. Ok, très bien. Oui? D'accord. Huitième image, c'est qui suis-je? Allez, on va se concentrer. Gandhi, Gandhi. Mohandas Karamchand Gandhi, a.k.a. Mahamat Gandhi, un surnom qu'il n'aimait pas particulièrement. Ça signifiait grande âme. Pas qu'il n'aimait pas, mais bon, il était d'une humilité un peu déconcertante quand même. D'après vous, sur cette neuvième image, de qui s'agit-il? Merde, non. En d'accord. Fait. Il s'appelle pas Merde. Béanzin? Béanzin? Ouais, ouh ouais. Attention, ce qui arrive, c'est un illustre inconnu. Pourtant, il devrait être sûrement l'un des hommes les plus connus de la planète. De qui s'agit-il sur cette image? Cancan Moussa. Je sais, c'est... Précision, s'il vous plaît. Oui. Cancan Moussa. Voilà. Je dis pas Cancan. Je dis Cancan Moussa. Présenté comme l'homme le plus riche de l'histoire, de tous les temps. Une fortune estimée, selon plusieurs sources, à 400 milliards de dollars. Je vous laisse faire la conversion. Ce sera tout pour le qui suis-je.